J'ai le plaisir de vous annoncer le quatrième baromètre de l'utilisation des médias sociaux dans les entreprises, en France, mais pas seulement en France d'ailleurs, en Angleterre, en Allemagne, dans le reste du monde, que nous menons encore une fois avec coup de suite. C'est notre quatrième édition. La dernière édition a été un succès déjà international. Et d'ailleurs, les résultats ont été repris par Statista. J'ai eu la joie de voir cela en cherchant moi-même des statistiques sur Statista et en retrouvant nos chiffres que nous avions publiés en 2018. Alors 2021 plutôt, nous repostons une nouvelle étude qui est aujourd'hui ouverte à tous les marketeurs, les responsables médias sociaux, les utilisateurs et les marketeurs concernés par les médias sociaux en France, avec une petite nouveauté cette année, car nous allons nous pencher plus précisément sur, d'une part, le domaine de la publicité sur les médias sociaux, qui est quelque chose qu'on n'avait pas étudié les années précédentes, et on va pouvoir aussi comparé aux autres pays. Et puis il y a également un chapitre qui est dédié au programme d'ambassadeur de la marque, au programme employé. Donc, tout le reste, après, ce sont des questions qui sont assez standards. Donc ce baromètre, il est un petit peu différent des années précédentes. On a voulu mettre l'accent sur cet aspect publicitaire qui n'est pas forcément d'ailleurs celui sur lequel on insiste habituellement avec coup de suite, hein. On insiste plutôt sur ce qu'on appelle vulgairement et avec notre jargon l'engagement naturel, mais qui est pourtant pris une place, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou non, une place indéniable sur le marché. Et on veut savoir comment les marques utilisent cette publicité, s'ils l'utilisent et s'ils en sont satisfaits, et comment ils mesurent le ROI. Et s'ils sont satisfaits de ce ROI. Et donc on voudrait faire un focus sur ce point qui nous paraît particulièrement important aujourd'hui, en 2021. Et puis après, on aura les questions habituelles sur les stratégies médias sociaux que vous connaissez. Bien entendu, si vous répondez à ce questionnaire, deux solutions, soit vous êtes concerné, vous êtes dans la cible de ce que nous cherchons, et à ce moment-là, eh bien, vous répondez aux questions. Soit vous êtes intéressé, mais vous n'êtes pas forcément dans la cible. Eh bien, ce n'est pas grave, vous rentrez votre adresse email et on vous envoie gentiment et gratuitement le rapport. Donc dans tous les cas, même si vous êtes consultant, venez sur le questionnaire, remplissez le questionnaire avec la partie qui vous concerne, remplissez, mettez votre adresse email et nous vous contacterons. Et vous pouvez également postuler pour les focus group qui vont avoir lieu incessamment le mois prochain, en fait, sur le sujet des médias sociaux et de la publicité dans les médias sociaux, ainsi que les programmes d'ambassadeurs. Quatrième baromètre de suite, nous comptons sur vous, nous avons besoin de vos réponses.